Salut à tous, c'est Tarask, et donc là je vous emmène dans le monde des poneys de Diablo 3. Donc alors pour ce faire, on va aller se mettre en acte 1, on va prendre la dernière quête. Voilà, donc ce sera en Armageddon PM3, et avec le stuff XP, hein. Je vais pas m'amuser à changer de stuff, ça devrait passer comme ça. Donc voilà, donc le monde des poneys c'est le petit monde caché de Diablo 3, tout mignon, tout rose, à montrer hein, aux enfants de moins de 10 ans, ils vont adorer. Je plaisante, bien sûr. Surtout pour les petites filles, elles vont être trop choquées. Alors, il nous faut le bâton de Bouvier que je n'ai pas sur moi. Voilà, qui est là. Alors, pour cette vidéo, je mets pas de musique, je vais vous laisser apprécier la musique du monde des poneys qui est oppressante à souhait. Toujours plus de puissance arcanique. La Là, je me fiche un peu des mobs. Diablo en personne s'est promené par ici. Voilà, avec le bâton de Bouvier, on va vers le cadavre de vache. Ça nous fait apparaître le fantôme du roi des vaches. Qui nous sort. Bon, j'ai passé le petit dialogue parce que c'est un peu long, mais qui nous sort des conneries. Ouais. Enfin, en même temps, on parle à une vache morte. On pouvait pas s'attendre à ce qu'elle soit très lucide. Et ça nous emmène donc dans le monde imaginaire, le niveau des poneys, des bisounours, des licornes. Et je vous laisse écouter donc la musique, je me tais un petit peu, vous allez voir comme cette musique est horriblement oppressante. Je suis prêt à recommencer. Un puissant ennemi se dresse devant nous. Il faut que j'attende. Alors à savoir que dans le monde des poneys, il y a, si je me trompe pas, 5 packs d'élite. C'est vrai que normalement je vais dans le monde des poneys après avoir chargé mes 5 stacks, effectivement. On va bien tout explorer. Voilà, deuxième pack d'élite. Ouh, le renvoi de dégâts. Ouh, qu'il est vilain. Ouh, qu'il était vilain. Alors là, j'étais pas du tout préparé à ça. Il faut que j'attende. Leur envoie de dégâts plutôt en frost qu'en archonte. En archonte avec le stuff XP, je me tue tout seul. J'ai pas assez de vol de vie par rapport au DPS que je fais. Alors qu'en frost, ça passe tout seul. Toujours plus de puissance arcanique. Bien, toujours tout cassé, on peut toujours trouver des objets à l'intérieur. Encore
faut toujours plus de puissance. Ah, donc dans le monde des poneys, on tue quoi? On tue des licornes, on tue des pâquerettes et on tue des ours en peluche. Et il y a du sang. Il y a des têtes qui giclent. Et on a une petite chance, alors j'espère que je l'aurai pour vous la montrer, de trouver une piñata. Vous connaissez les piñatas, hein, c'est genre de peluches remplies de cadeaux qui sont attachés en l'air et qu'on va taper avec une batte de baseball. Et ben on a une chance d'en trouver une dans le niveau des poneys qui remplace un gob en fait, quoi. Ça fait un gob en piñata. Et j'ai déjà eu deux verres dans la piñata, c'est pour ça que justement je l'aime bien. Là, un adversaire à ma mesure. Renvoie de dégâts et mortier. En frost donc. Assez de puissance. Il faut que j'attende. Je vais réussir à faire tous les élites en même temps. Chaîne de feu, dresseur de mur. Et lien de vie. Ah ouais, ça va être sympa. Hop, le lien de vie, ils font. Alors ça a pas l'air, mais les licornes font super mal comme mob. Elles tapent super rapidement, font super mal. Parce que le monde des bonnes se trouve en acte 1, mais les mobs font bien plus mal que les autres mobs de l'acte 1. Porteur de fin de niveau. Donc cette zone c'est clean. Voilà, il me reste le haut à cleaner. Sachant que je suis à 4 stacks Nephalem. Donc il doit rester un élite de planqué sur la map. Un ou deux. Mais il me semble que c'est 5 le nombre d'élites dans le monde des poneys.
une belle petite concentration de mode. Alors c'est vrai que le monde des volets vaut mieux y aller une fois qu'on a fait les 5 sacs Néphalem. C'est vrai que ça loot pas mal de thunes en plus tous ces petits nuages. Ah bah voilà le 5ème pack. Joli illusion profanateur peste. On va faire un petit peu de vie en frost. Et hop. Voilà. Beaucoup de contre. Ça me semble un petit peu râpé pour la pignette. Non, je crois que là on arrive à la fin et qu'on n'aura pas trouvé de pignata. Il va me rester une toute petite zone là qui n'a pas été clean encore. Mais bon, elle apparaît pas à chaque fois, malheureusement. Il faut que t'attends. Et voilà. On a cleané le monde des poneys, donc vous voyez, c'est relativement rapide. C'est assez sympa, ça change un petit peu. Donc n'hésitez pas à aller y faire un petit tour quand vous pouvez.